Douleur d'épaule, qu'est-ce qu'il faut comprendre et qu'est-ce qu'on peut faire? La cause principale des douleurs d'épaule, c'est l'épaule qui est trop haute et trop en avant. Elle sort de sa position optimale et elle va engendrer, on aura beaucoup de contraintes sur tous les tissus qui se trouvent autour de l'épaule et donc des douleurs. Donc pour guérir de ces douleurs d'épaule, il faut absolument ramener l'épaule en arrière et vers le bas et la stabiliser dans cette position où en fait il y a le moins de contraintes mécaniques. Donc pourquoi est-ce qu'on développe cette posture, cette mauvaise position? Ben, ça peut être un manque de confiance en soi parce qu'on se referme. Donc pour la confiance en soi, la meilleure chose, c'est de travailler sur soi-même et c'est de réaliser des projets qui nous tiennent à cœur, c'est de se réaliser soi-même. Ensuite, au niveau mécanique, ben, c'est surtout notre posture au quotidien, le fait qu'on soit assis, le fait qu'on travaille devant soi, tout ça va encourager notre posture à se refermer. Et puis ensuite, il y a la sélection des exercices, notre sport ou nos entraînements. Ou à la salle de musculation, on fait les mauvais exercices de la mauvaise manière, mauvaise technique, et donc ça va favoriser cette fermeture. Donc si vous voulez guérir de vos problèmes d'épaule, vous devez absolument étirer la partie antérieure de l'épaule, donc devant, à savoir les pectoraux. Je suis désolé, je ne peux pas vraiment vous montrer. Les pectoraux qui sont là. Trapèze supérieur. Et deltoïde antérieur. Donc, vous devez faire trois exercices d'étirement principaux, ceux que je viens de montrer. Et ensuite, vous devez renforcer, vous devez exercer tous les muscles du milieu du dos qui vont tirer l'épaule vers le bas et en arrière. Et surtout, l'exercice principal, ça va être du tirage horizontal. Donc, la clé, avant de faire du tirage horizontal, c'est surtout de remettre de la longueur sur tous les muscles qui tirent l'épaule en avant. Donc voilà, vous savez le secret. Si vous avez besoin d'aide sur votre chemin, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous dis à bientôt!